Bonjour ou bonsoir à tous nos super branchés de l'émission La vérité vous affranchira et bienvenue sur notre chaîne Givenson le Gagneur pour un nouveau sujet et une nouvelle sortie qui est bien notre 26e sortie de l'émission. Donc, vous connaissez nous déjà et ça ne vaut pas la peine pour que nous présentions nous Givenson le Gagneur et pour même qui est nouveau sous chaîne ça. Eh bien, nous gagnons un nouveau sujet où on est que nous toujours porter des sujets qui intrigants, qui portent en pile intérêt pour nous-mêmes, afin que nous soyons capables de discerner la vérité, parce que nous connaissons la vérité est à la porte pour que tout le monde soit capable d'arriver à maturité, à homme fait, à femme faite dans le Seigneur. Eh bien, nous gagnons un nouveau sujet, c'est bien, et la femme est créée pour la gloire de l'homme. La femme est créée pour la gloire de l'homme. Ou capable de dire, pour quelle raison, Givenson, ou venir avec un tel sujet, femme non est créée pour la gloire de l'homme. Pour quelle raison, y a un tel sujet? Est-ce que c'est pour marquer infériorité de la femme par rapport à l'homme? Est-ce que tout c'est pour dire que Givenson, est-ce que c'est pour vous dire non et que la femme est là pour le plaisir de l'homme? Il n'y a pas quelques questions que nous connaissons que vous capable de poser par rapport à ce sujet ça. Mais c'est sûr et certain, nous garantissons, parce que c'est toute une panoplie sujet ça qui est entamé, parce que là, il y a plusieurs séquence là-dedans afin que vous capable connaître un paquet de bagaille. Un sujet comme ça, li important pour que nous fait lecture de fondation nous que nous trouver dans 1 Corinthiens chapitre 11 le verset 3 et verset 9 et 7 à 9. Nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens 11 le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Versets 7 à 9. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc, nous voyons que, à travers Texayo, que nous invitons pour que vous lisez personnellement, parce que, et surtout chapitre ça, il a porté en pile intérêt pour nous-mêmes dans plusieurs séquences que nous allons gagner pour émission ça, ou bien pour sujet ça, que nous avons traité ensemble. Là. Donc, la femme est créée pour la gloire de l'homme, c'est bien le sujet que nous allons traiter ensemble. Mais jusqu'avant, il y a deux mots-clés en dedans lecture ça, parce que sans une compréhension qui ferme, qui exacte par rapport à deux mots ça, qui c'est chef et puis qui c'est gloire. Parce qu'il dit que la femme est la gloire de Dieu, tout comme l'homme est créé à la gloire de Dieu, eh bien, nous est que mot chef là avec et mot gloire là, l'important pour que nous comprenions dans vrai sens. Parce que si que nous pas comprenons dans vrai sens que nous supposons et comprenons, eh bien, c'est sûr que n'a faut voyer n'a perdu par rapport à l'esprit texte là. En nous ensemble pour ouverture sujet ça. Et qui émission ça considéré comme une introduction à toute série séquence que nous va gagner sous sujet ça. Donc mot chef là avant tout de hébreu c'est roche et puis dans grec là c'est kephalie. Kephalie hein, qui traduit chef, eh bien c'est dans même mot ça qui est traduit tête, la tête. OK? Donc, à chaque fois que ou est chef, soit dans la Bible,
et soit dans l'Ancien ou bien Nouveau Testament, eh bien, dans le grec, là, il est traduit comme kephalie, donc qui est utilisé et pour chef et pour tête, parce que être le chef dans l'esprit texan, c'est être la tête, mes bien-aimés frères et sœurs. Et nous, est que l'apôtre Paul lit en quelque sorte montré que Jésus-Christ étant comme le chef de l'Église ou bien la tête de l'Église, donc l'Église a constitué le corps et que lui-même lissait la tête. Et lorsque on lit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 22, Éphésiens 4, le verset 15, Éphésiens 5, le verset 23, Colossiens 1, le verset 8, et puis Colossiens 2, le verset 18-19. Donc, il y a deux textes qui portent intérêt pour nous-mêmes. C'est Éphésiens 4, verset 15, qui dit « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Donc, il traduit par « Kephalia ». Donc, Christ, c'est le chef de l'Église. Donc, c'est la tête. Donc, dans Colossiens 2, le verset 19, là, il dit « Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Donc, nous est que explication qui va là, c'est pour le corps, les membres qui joignent par des jointures, qui sont bien articulées et pour former le corps solide, mais qui vient pour et qui ont tête qui conduit li, qui ont tête qui balle direction. Donc nous lit tout dans Éphésiens 4 verset 15 dans tout que Jésus-Christ lissé la tête de l'Église. Donc nous est que le mot chef là c'est lui-même tout qui traduit tête. Donc être le chef c'est la tête en quelque sorte. Donc la tête, mes bien-aimés, est considérée comme organe de direction parce que et tête là, c'est lui-même qui directionne, qui baille direction à tout membre, à tout corps, et qui recevoit commande de tête là, parce que c'est tête là et qui baille direction. Donc la tête, c'est aussi le siège de la pensée. Hein? C'est aussi le siège de la pensée et de la volonté. Parce que et tête là, c'est lui qui l'a pour baille direction, c'est lui-même qui a penser, c'est lui-même qui a réfléchi et puis pour qu'on ait qui ça qui est bon pour quoi et pour que le capable directionner et corps là dans une bonne direction. Et c'est pour cela que Jésus-Christ lit comme kephalien qui c'est le chef de l'Église ou bien la tête de l'Église, ça veut dire qui donne direction à l'Église qui est le corps ou bien qui pense pour l'Église ou bien qui montre sa volonté à l'Église. Donc c'est la tête. Et bien, de même tout, mes bien-aimés frères et sœurs, nous est que le mari ou bien l'homme est comme le chef ou bien en d'autres termes qui est la tête et que et dans dimension que lui-même l'est placé, donc l'est placé étant comme la tête ou bien le chef. Bien que mon chef là l'est profané par les hommes, parce que et chef là l'est son bagage qui est bien ordonné. Parce que lorsque vous dites au monde c'est chef, je dis hein, c'est comme si vous t'a dit son chef à coup de bâton ou bien un chef à bâton qui pour comme si cap matériser, cap tyranniser madame ni ou bien qui en tant que mari donc comme si c'est la Bible dit moi c'est chef et bien qu'on a donc faut moi et commander madame non faut moi tyranniser faut moi maltraiter parce que moi c'est chef. Donc nous est que le mot chef hein, lit profané. Mais tandis que le mot chef, c'est dans le vrai sens, mes bien-aimés, c'est la tête. C'est-à-dire, c'est la tête qui pense, c'est la tête qui directionne, mes bien-aimés, frères et sœurs. Donc, au départ, c'est une bonne chose quand on parlait de la tête. Et c'est pour cela que Christ est la tête de l'Église, est le chef de l'Église. Donc, le mari ou bien l'homme doit être un bon chef, un bon mari, en quelque sorte. Donc, nous est que pour si la yo qui pour comprendre une question chef là, ok? Donc ou bien qui pas accepté parce que nous quoi dans société actuelle yo pas considéré ou bien à cause que thème chef là il profané, ça veut dire il perdu définition sacrée que il gagne parce que le mot chef la tête il une définition sacrée. Eh bien
Eh bien, il y a un pile monde qui t'a voulu retirer pour t'a dit bon ou pas chef ou bien ou t'a voulu une société sans chef en quelque sorte. Donc nous est que et pour nous venir avec idée de question chef, de question de commande, direction de monde qui a pensé en quelque sorte, nous bralouer que et Dieu c'est ça que le dit lui-même parce que lorsque on lit dans 1 Corinthiens 14 le verset 33, il dit comme ça, Dieu n'est pas un dieu de désordre. OK? Lorsque nous parlons, le texte dit Dieu pas un dieu de désordre. OK? Donc dans désordre, donc nous est anarchisme, donc qui c'est absence de règles, absence côté que monde n'a pas en question comme si nous prenons il besoin chef en quelque sorte. Donc c'est un gouvernement ou bien une société qui a dirigé sans chef, mes bien-aimés. Donc nous est que et anarchisme là, nous est que et désordre là, n'est pas de Dieu et la Bible dit comme ça que Dieu n'est pas un dieu de désordre. Mais tandis que Satan le diable, il est l'auteur. Il est l'auteur et chef du désordre, de tout désordre. Donc nous allons comprendre que c'est la raison pour laquelle mes bien-aimés frères et sœurs, eh bien il fait tout ça qui dépend de lui-même pour qu'il soit capable de créer la pagaille, pour le créer zizanie, pour qu'il crée désordre dans toute structure, soit de famille, de société. Parce que là, il y a le désordre, donc on peut commander, on peut diriger. Ok? Donc, c'est comme Jean dit, diviser pour régner. Donc, nous venons comprendre que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Au contraire, Dieu c'est un Dieu d'ordre que lié. Lorsque nous parlons de ordre, nous est hiérarchie. Hiérarchie, ça veut dire que il y a la classification, il y a hiérarchie. Ça veut dire il y a un chef qui gouverne. Donc nous venons comprendre que question de chef là, son bagage qui sortit non bon Dieu même. Mais bien aimés frères et sœurs, ça veut dire et il y a la subordination. Ça veut dire côté que gagnons mon cap dirigé, mais gagnons qui subordonné à lui-même. Mais bien aimés. Donc nous venons comprendre que et question chef là dans vrai sens donc son bagage qui divin son bagage qui sorti qui prend origine lui-même dans bon Dieu même. OK, donc maintenant la position et nous capable dit position d'autorité que yon moun li capable gagner pour nous faire comprendre que et question de chef là ou bien position d'autorité à son bagage qui sorti dans bon Dieu lorsque ou li dans Romains chapitre 13, hein, Romains chapitre 13, le verset 1-2, lisez que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Ça veut dire toute autorité, ça vient de Dieu. OK? Et Libéral dit dans verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre, entendez-vous? À l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Parce que il est question d'ordre, il est question hiérarchisation, il est question de position d'autorité. Ça veut dire bon monde qui est placé en autorité, mes bien-aimés. Et lorsque vous lisez 1 Pierre 2, le verset 13, tout lui dit soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie, à toute autorité établie parmi les hommes, ouais, même parmi les hommes, parce que, ok, soit au roi comme au souverain. Parce que l'autorité, ça vient de Dieu, parce que Dieu n'est pas toléré désordre, n'est pas toléré, et ça veut dire anarchie, hein? L'anarchisme. Donc, Dieu n'est pas toléré, donc c'est l'ordre. Ça veut dire, là, il y a une position d'autorité. Donc, et nous venons comprendre, mes bien-aimés, c'est que la position d'autorité ou bien question chef là, son bagage qui sorti dans bon Dieu même, il prend origine dans bon Dieu même. Maintenant, question que nous avons prêté, est-ce que l'homme ou bien le mari en quelque sorte, est-ce que qui placé en autorité étant comme tête, étant comme le chef et frère Maxime, est-ce que cette supériorité de l'homme sur la femme, hein, supériorité de l'homme sur la femme. Donc, comment nous comprenons la supériorité ça? Ok? Quelqu'un est capable de dire, mais non, parce qu'il n'y a pas question de supériorité. Parce que dès que vous parlez de supériorité, il y a infériorité, tout ça. Mais on nous comprend un bagage. C'est que c'est sur le plan d'office. Sur le plan d'office. Lorsque nous parlons d'office, c'est rang. C'est fonction.
c'est charge yon moun genyen. Parce que dans position ça que li a, son office que li genyen. Donc son position d'autorité. Ça veut dire supériorité l'homme non sur la femme, c'est li supérieur, c'est par sa position d'autorité, c'est par sa charge, ça veut dire charge que yo bali, hein. C'est par sa fonction. C'est même genre lorsque ou entre dans une administration, par exemple, il y a un directeur, même les que ou moun sa était plus grand en âge que directeur ça. Mais il est ton directeur, ton supérieur, ouais, ton supérieur hiérarchique. Ça veut dire même les t'es plus petit que ou, eh bien, il est placé en autorité que ou même. Donc, les ça, c'est la subordination ou subordonné par rapport à lui-même. Eh bien, c'est de même. Donc, nous venons comprendre question de supériorité à ici de l'homme sur la femme. Non, c'est simplement en question de charge, de office, de fonction. De fonction que l'y gagne, de position que l'y gagne. OK? Mais, nous allons comprendre nos bagages, mais, ce n'est pas sous question de valeur intrinsèque. Lorsque nous parlons de valeur intrinsèque, ça veut dire, étant que monde, étant que gens nous créés, eh bien, nous pas, l'homme n'est pas supérieur à la femme. Le mari n'est pas supérieur à la femme en matière de valeur intrinsèque. Ça veut dire de étant que essence de monde que nous y est. Donc laisse ça nous placer dans un niveau dans un niveau commun en quelque sorte. Donc question de position bien de supériorité de l'homme sur la femme non qui a rapport avec position d'autorité étant comme chef étant comme la tête ok la tête qui pense qui directionne hein? Eh bien nous venons comprendre que Satan le diable il tellement comprenne sa fin. Parce que automatiquement, yon bral prend place yon l'autre en matière de fonction, bral gon désordre là. Hein? Faut nous bien saisir ça, bral gon désordre. Et c'est ça, Satan le diable te fait pour Eve. Parce que en matière de fonction, c'était Adam. Ok? Parce que pour les décisions, pour en termes de fonction que Adam te gagné pour le jardin, eh bien, nous bral ouais que. Eh bien, Satan va le passer par Ève. Et c'est là il va le créer un désordre. Parce que là, depuis qu'il y a un désordre, Dieu pas là. Parce que Dieu pas un Dieu de désordre. Eh bien, nous parlons que, eh bien, c'est là il va le vaincre l'espèce humaine. Parce que tu as une permutation de fonction. Ça veut dire, tu n'es pas capable d'accepter d'être dans la fonction que bon Dieu t'a mis. Ok? Parce que l'homme, c'est la tête, c'est le chef. Ok? Et tandis que la femme est subordonnée à son mari, ou bien en quelque sorte, elle est l'aide de son mari. Ok? Donc, automatiquement, une prend place l'autre, et bien, il y a un désordre, et bien, c'est là, et bien, elle n'y a pas régner. Donc, c'est ça que fait la Bible pour sentir que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais là, il y a l'ordre, là, il y a hiérarchisation, il y a principe, position d'autorité, chaque monde joue un rôle. Donc, étant que garçon, étant que homme, étant que monsieur, donc, on suppose jouer un rôle. Étant que madame, tout, on suppose jouer un rôle parce que en matière de fonction, de position d'autorité, nous, chaque gain rôle, nous, et personne n'a pas joué un rôle l'autre là. OK? Mais en matière de valeur intrinsèque étant que moun étant que donc pas gain supériorité dans ce sens-là. Et c'est ça que fait ou li lorsque nous lit dans Galates 3 le verset 28 Galates 3 le verset 28, il dit il n'y a plus hein, ni grec ni juif ni esclave ni libre ni femme ni homme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ça veut dire, en Christ, nous faisons seul, pas des questions de homme-femme, dans ce contexte de valeur intrinsèque, pas de position, non, pas en matière de position, de fonction. Okay? Parce qu'en matière de fonction, de charge, de responsabilité, eh bien, le mari ou bien l'homme est supérieur en matière de position d'autorité. Mais en matière de valeur intrinsèque, donc nous sommes un en Christ. Donc nous faisons seul en Jésus-Christ, pas une question homme-femme. Donc, il y a un pile monde qui mal comprend texte ça. Donc, et même 1 Corinthiens 11, le verset 11, il dit toutefois,
dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Ça veut dire nous font seul hein, en Christ, en Jésus-Christ. Donc, en matière de valeur intrinsèque, ça veut dire étant que monde, étant que femme et homme, donc nous sommes un. En Jésus-Christ, nous sommes un. Okay? Donc, par position, nous, en Jésus-Christ, nous sommes un. Ça veut dire pas gain supériorité en matière de salut, tout, pas gain ça. Okay? Mais en termes de fonction, de hiérarchisation, eh bien, mes bien-aimés, gagnez. Bon, mes bien-aimés, frères et sœurs, c'est là que nous avons des faits. Nous, nous devons comprendre le concept chef-là. Parce que ici, chef-là, ce n'est pas un chef à bout de bâton. Ce n'est pas un chef à commande, à tyranniser. Parce que lorsque chef-là n'est pas joué au rôle, il vient comme un tyran, il vient comme un bourreau, ok? Il vient comme un bourreau, laisse mon chef-là vient profaner, ok? Mais le chef, hein, qui a une définition sacrée, donc il tient, émane de Dieu même, ok? Donc c'est une position d'autorité qu'il a pour penser. Pour penser bien pour la femme, parce que et la femme est son aide et lui-même il est le soutien de la femme. Ok, donc la tête elle directionne, elle pense, hein, et elle montre ce qu'est la volonté. Donc, mes bien-aimés, frères et sœurs, n'a pas d'eau pour partager l'émission. Ça. Parce que nous voulons l'émission arriver très loin. Et parce que il y a pile l'autre bagaille nous pour traiter, parce que ça c'est introduction. Partagez. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.